Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, Fodil Amoudi, maire adjoint à la coopération décentralisée et aux relations internationales à la ville de Saint-Denis. Enchanté. Quel est votre sentiment sur la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau? Il arrive parfois qu'il y ait un oubli de cette déclaration des droits de l'homme et il y a eu plusieurs cas où on a ignoré cette déclaration. C'est pour ça que par ces micro-trottoirs, nous luttons contre l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de bien vouloir nous lire un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est pour ça que je vais vous inviter à tirer un numéro au sort et de lire l'article correspondant. 9. L'article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour assurer sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Merci pour cette lecture. Que pensez-vous du slogan de l'association « La violence recule là où la solidarité avance Parfait, parfait. » Bon, ça se passe de commentaires de plus. Il faudrait que ça devienne, même à la limite, un slogan chanté. Nous espérons qu'il pourra s'expandre au sein déjà du territoire français et peut-être plus par la suite. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre solidarité par un geste simple, qui est de faire connaître nos actions au sein de votre entourage? Sans problème, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie beaucoup pour cette solidarité et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci.